Très belle surprise ce matin. Merci Canon. Deux boîtiers qui viennent à peine d'être annoncés et on les a déjà en main pour vous les présenter. Le nouveau Canon EOS R7 et le nouveau Canon EOS R10. Salut à tous, c'est Jacques de Soigny Photo. Voilà, le nouveau Canon R7, ça fait 2 ans qu'on attendait ça, qu'on suppliait Canon de nous sortir enfin un APS-C pour remplacer en fait la gamme DSLR un peu vieillissante. Il est là. Je viens de le prendre en main, je viens de tester le viseur, qui est terrible d'ailleurs. Ça, c'est une excellente surprise. Et franchement, c'est le digne successeur d'un 7D Mark II. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. 15 images secondes en shooter mécanique, 30 images secondes avec un shooter électronique, capteur de 32 millions de pixels. Honnêtement, on verra au test ce que ça donnera. Ce sont des boîtiers de pré-série, on ne peut pas faire de photos avec. Un petit rappel, la vidéo n'est pas sponsorisée par Canon. Faut quand même aussi le dire. Et si vous voulez qu'on continue à pouvoir vous faire des tests de ce acabit-là, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la petite flèche en dessous. Bref, pour le reste, ça a l'air terrible. Surtout, les prix vont être très contenus. On va être sur un prix de vente conseillé, grosso modo, de 1 500 €. Et l'excellente surprise pour tous les gens qui vont les commander maintenant, enfin les précommander, parce qu'on les aura qu'au mois de juin, la bague d'adaptation EOS R2F, pour pouvoir mettre vos anciens objectifs, est offerte. Attention, ça, c'est une option qui ne va pas rester très, très longtemps. Donc, précommandez. Une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, pour aller avec ça, il y a deux nouveaux objectifs. Il y a un 1850 qui est très compact, très léger. On verra aussi ce qu'il donne au niveau des photos, mais ça a l'air très, très bien. Et un 1545 qui est beaucoup plus court. Donc, ça, je suis un petit peu plus dubitatif, mais on verra bien ce que ça donne après les tests. On ne va pas se prononcer maintenant. Je pense que pour le R7, on a presque tout dit. Non, j'ai oublié la vidéo. 4K, 60 images secondes. Et ça aussi, je pense que ça va faire le bonheur de pas mal de gens pour pouvoir travailler. On va passer au 10. Plus petit, plus compact, plus léger, toujours un aussi bon viseur. Alors ici, justement, il est présenté avec le nouvel objectif plus court. Donc, c'est... Ça a l'air franchement très bien. Ce qui m'épate, c'est la taille du produit qui est vraiment très contenue. Le poids est très, très léger. La visée est tout aussi bonne que sur le R7. Donc, ça va promettre pas mal de plaisir quand on va le prendre en main, en vidéo. Et là, ça c'est quand même franchement génial. On a un boîtier à moins de 1 000 €. Moins de 1 000 € qui va remplacer en fait le 90D. Et ça, en fait, c'est un prix très contenu. Et en plus, même chose, si vous le précommandez maintenant, la bague EFS en fait est offerte, elle est gratuite, donc ne vous privez pas. On a des kits avec les 1545, avec les 1850, et donc vous ferez votre choix, tout ça va être marqué sur le site, n'hésitez pas, précommandez, vous savez bien qu'on a beaucoup de difficultés pour être approvisionné pour le moment, donc au plus tôt vous passez commande, au mieux c'est. À bientôt.